La terre a de nouveau tremblé au Népal. Un séisme de magnitude 7,3 a secoué Katmandou à 12h50 heure locale pendant environ une minute, causant la panique dans la capitale. Il a été suivi par trois puissantes répliques. Selon l'Institut de veille géologique américain, l'épicentre des secousses était situé près du camp de base du mont Everest, à 83 km à l'est de Katmandou et à seulement 19 km de profondeur. On sait que plusieurs bâtiments se sont effondrés dans la ville de Chautara, proche de l'épicentre. Plusieurs corps ont été retirés des décombres. Trois gros glissements de terrain sont aussi signalés dans cette région frontalière du Tibet. Le séisme et ses répliques ont été ressentis jusque dans le nord de l'Inde, où un homme au moins a été tué. Le Népal a déjà été dévasté par un tremblement de terre de magnitude 7,8 le 25 avril dernier, qui a fait près de 8000 morts, 17 800 blessés et a détruit des centaines de milliers de logements.